À 22 ans, la vie de Tige de Decker est en suspens. Ce mercredi, le vainqueur de Paris-Roubaix Espoir au printemps dernier a été victime d'un grave accident tandis qu'il s'entraînait. Transporté d'urgence à l'hôpital, le jeune talent aurait perdu beaucoup de sang, souligne Het Nieuwsblad. Selon le média belge Suscité, le coureur de l'équipe réserve de la formation Lotto-DSTNI, aligné en juin dernier sur le Giro Next Gen, se trouverait dans le coma. Une voiture est impliquée dans l'accident, confirment de leur côté les autorités belges. Nous pouvons confirmer que Tige de Decker a eu un accident lors de l'entraînement. Il a été transporté à l'hôpital, communique la Lotto-DSTNI à 7h. Veuillez respecter la vie privée de chacun et ne pas déranger ses amis et sa famille.